Cette partie de cette deuxième demi-finale qui a opposé Yakuba Adamou de Niamey à Moussa Abdoulaye de Maradi, où ce dernier a tenu le lutteur de Niamey en échec, ce qui a provoqué la colère des supporters de Yakuba Adamou. Et très vite, la situation a dégénéré dans l'arène où les manifestants ont saccagé les installations de l'arène. Aux alentours, des pneus ont été brûlés, d'où des échauffourées avec les forces de l'ordre. Les gendarmes ont payé le plus lourd tribut lors des échauffourées créées et entretenues par des badauds des quartiers environnants de l'arène des jeux traditionnels de Niamey. Les deux groupes de la trentaine de gendarmes que vous voyez ici sur les images ont tenu pendant plus d'1h30 seuls et sans moyens de défense adéquats face aux centaines de badauds qui les ont encerclés. C'est à reculons qu'ils ont regagné le principal portail de l'arène, malgré les tirs de sommation en l'air de l'officier qui lui-même est blessé. Les gendarmes ont enregistré plusieurs blessés. Il en est de même dans les rangs des manifestants. Plusieurs d'entre eux ont également été arrêtés. Question, qu'est-ce qui a pu se passer? Que les gendarmes soient seuls face au badaud? L'entrée dans la danse de la police, pourtant présente massivement de l'arène, est, dit-on, la conséquence logique des événements de Gaya et Zander où la police a été indexée. Dans l'incapacité d'organiser la cérémonie de clôture de l'arène, la remise du sabre s'est déroulée au ministère de la Jeunesse des Sports en présence de toutes les délégations. Occasion saisie par le ministre Kounou Hassan de revenir sur les émeutes tout en déplorant la situation. Comme vous l'avez vécu avec nous, la 34e